Je crois que le réseau Gabriel est très important parce que si vous regardez sur ce qui se fait dans plusieurs laboratoires, chacun fait dans son petit côté, dans son petit coin, et finalement les résultats ne sont même pas comparables. Donc le réseau Gabriel apporte cette comparaison des résultats, faite par les mêmes manières, faite par les mêmes méthodologies. Et ça nous apporte aussi à voir exactement ce qui se passe dans d'autres régions qui sont comparables et qu'on peut utiliser effectivement dans la gestion de soins aux malades. Et vous savez que les ressources sont limitées ces derniers temps et si les gens pouvaient arriver à ne pas répéter ce qui a été déjà fait et réussi ailleurs, ce serait une bonne chose et un gain pour les scientifiques.